Il est tendre, l'être humain. Ils se sont pulvérisés. Savoir oublier. Paris, dimanche, 16h20. Tu plonges le pinceau dans la substance. 3, 4. Tu le laisses s'imprégner. 5, 6. Une première couche sur la partie supérieure du circuit imprimé. Regarde vers la mer. Moi, mon rapport au voile a été très chanceux. Il s'est révélé à moi de façon très intime. J'avais l'impression d'être en méditation permanente, d'être en prière. Alors, c'est vrai que c'est paradoxal de dire ça, que j'y ai déjà pensé, quoi. Je me suis dit, ah ouais, les jours où ça me saoule de devoir sortir. Et en même temps, sortir voilé, même avec un simple voile, c'est aussi forcément s'exposer énormément au regard des autres. C'était plus un voile de protection par rapport aux tempêtes, par rapport au temps, par rapport au soleil. On ne pouvait pas laisser la peau dénudée, en fait. Un jour, je volerai en plume, je serai facteur cheval, je fleurirai le printemps. Je construirai des igloos, des tipis, des murailles en Chine. Je serai indien astronaute et mes flèches transperceront le vent. Ou astronaute indien, et je ferai de la fumée avec les étoiles, je les brûlerai. Alors bon, on vient présenter 5 projets en cours de fabrication, ce sera tous les jours différent, donc il a fallu trouver un stratagème pour évoquer un petit peu tout ce qui va se passer en essayant de capter votre attention.
Ne réservez pas vos insultes à l'égard de la raison, à l'intimité des tombeaux de la pensée que vous appelez temple, église, synagogue ou mosquée. Non, non, je sais pas moi, faites des journaux, des blogs, des spectacles, des marionnettes pour vous moquer de cette absurdité que représente pour vous la vie sans Dieu, la vie sans votre doudou suprême. S'effacera l'histoire coulera, on ne sera plus là. Et le soir au Ramadan, on se fait des soirées de rêve. On est toutes là en bas, ensemble, on rit, on mange, on veille tard. En fait, ici, c'est pas une ville morte. Faut la connaître.